Gull. Donc aujourd'hui, j'ai fait la vidéo de la présentation de ma maison Monster High. Donc je m'excuse à l'avance s'il y a deux vidéos pour la présentation de ma maison Monster High, mais je pense que je n'aurai jamais le temps pour vous la présenter entièrement dans une seule vidéo. Donc c'est Monster Height Height qui a voulu que je fasse la vidéo de la présentation de ma maison Monster High. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la vidéo de la présentation de toute ma maison Monster High, même si elle change très souvent. Et voilà, donc là je vais marquer Monster High Height Height, je crois, oui. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer par cet étage ici, parce que c'est un peu plus le plus rapide. Alors, on va commencer par la chambre de Claudine, donc Claudine Gould Alive. Donc ici, il y a la voiture Smithison, donc je dis qu'ici c'est le garage. Ici, il y a une table citrouille avec une brosse. Donc là, il y a un truc de chat. Et une citrouille que Monster High peut s'asseoir. Donc ici c'est un peu sa table à elle. Son lit est violet avec un coussin rose violet. Son fond de boîte avec une photo d'elle qui hurle en dessin animé et une photo d'elle en dessin qui hurle. Ici c'est le premier truc de sa boîte que j'ai mis ici, avec un petit coffre comme ça en doré. Documentaire, il n'y a rien dedans, il y a un miroir. Voilà, donc elle peut s'asseoir. Son socle qui est magnifique, je sais pas. J'aimerais beaucoup que toutes les autres Monster High prochainement, ou voilà, qu'elle soit, que le socle soit comme ça, parce que franchement ils sont bien. Et une photo de Frankie, Spectra et Claudine Ghoul à Live. Voilà. Donc sa chambre est, on va dire, un peu assez grande, mais voilà. Après là, c'est la chambre de Claude Wolf, Dust, Juice, et des fois c'est la chambre de Deuce, oui, de Deuce, bon je sais plus, bah un peu de tous les garçons de ma collection Monster High. Donc on va pousser les gars. Donc oui, c'est normal que c'est un bordel, c'est fait un peu normal aussi, c'est un peu la chambre des garçons. Donc ici il y a une armoire donc qui s'ouvre là, une photo de toute la collection Don't the Dance. Alors là dedans il y a un sac, je veux dire c'est un sac là dedans. Il y a un drap rouge, il y a un petit nounours, il y a un livre et je sais pas quoi. Voilà. Là, il y a le gant de Juice Gorgon, je crois, ça c'est comme ça. Un squelette qui s'est pété. Des lunettes. Un crayon. Donc oui, c'est normal, c'est un bordel. Après, ici, c'est un lit. En fait, c'est une boîte de mouchoirs que j'ai mis du papier comme ça. C'est assez garçon, je trouve. Donc je l'ai mis dessus. Là, le journal intime de Claude. Pourquoi je l'ai mis ici et pas avec tous les journaux intimes? Car il n'y avait pas trop de décoration dans cette chambre, donc j'ai voulu mettre ça. Donc là, il y a l'animal de compagnie de Claude, l'animal de compagnie du Deuce. Là, il y a une voiture, une autre voiture, une autre voiture, un coussin, un petit doudou. Et ça, normalement, c'est un truc pet shop, c'est les roues d'une voiture pet shop. Mais en fait, j'ai dit que c'était des haltères, en fait. Voilà. Les remettre en place. Voilà. Après, on passe à la chambre de Claudine Wolf. Basique. Donc, elle est comme ça. Donc, elle est assez petite, mais voilà, c'est pas grave. Donc, ici, il y a son porte-clé. Ici, il y a une photo d'elle. Un dessin que j'ai fait moi-même d'elle, en basique. Voilà, avec des trucs marqués dessus, mais je vais pas vous dire. Son lit avec un drap léopard et un truc d'idole. Croissant en statue, une petite statue loup-garou, une photo d'elle en basiquin, une photo d'elle en fashion pack, une photo d'elle en son deuxième fashion pack foot, le lit de croissant avec croissant, la table est noire avec des photos d'elle, son sac, son premier sac et son sac d'un fashion pack, trois cahiers, ici il y a... Il y a sa ceinture et son truc qu'on met sur le bras et un autre cahier. Ici, il y a un autre sac et son ballon de foot. Ici, il y a deux trucs de maquillage en gomme, bien sûr. Voilà. Ici, il y a un miroir. Là, vous voyez la caméra et vous me voyez un peu. Oula, avec des diamants, je vais tout faire tomber. Excusez-moi. Quel gobe, oh non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, je rangerai tout à l'heure. Voilà, j'ai mis tout en bordel. Vous avez vu ça? Franchement, je suis pas douée.
Là, on voit Claudine en mannequin avec mon porte-monnaie. Voilà, donc là, c'est la chambre de Claudine Wolf. Donc là, c'est pas son portable, c'est le portable de Frankie, si vous voulez savoir. Donc je rangerai après. Là, c'est la chambre de Vénus. Donc, Vénus, alors, ici, il y a son truc qui est marqué. Selon moi, prendre soin de notre environnement devrait être la propriété numéro un de tout monstre. Et moi, je dirais de tout humain. Alors, donc, ici, il y a des tissus verts qui met ici. Son âge de compagnie, des lunettes roses, son sac est un portable. Ici, il y a son fond de boîte qui est vraiment très beau. Avec un petit dessin avec Vénus et Rochelle, meilleure amie pour la vie. Vénus McFaltrap avec son logo. Un Scooby-Doo, un espèce de bracelet que une de mes meilleures amies m'a fait, que j'ai mis dans sa chambre. Il y a les pieds de Rochelle. Une photo de Vénus McFaltrap, son lit est rose. Et ici, en fait, c'est en fait, un éventail japonais ou chinois. Je l'ai pas lu en Japon ou en Chine. Mais je trouve que c'était vachement très beau et ça fait c'est Vénus quand même. Voilà. Donc voilà. Et il y a ça ici, ça, ça et ça. Je voulais savoir. Alors voici dans la chambre de Rochelle Goy. Dans la chambre de Rochelle Goy. Donc son lit est gris. Bon, pas tout à fait tout gris. Un coussin rose. Elle a des petits badges comme ça. Un livre. Je dis que c'est son journal intime. Des petites poupées Hello Kitty. Le lit de Rooks avec Rooks. Son sac, un rouge à lèvres, une brosse, une tirelire cochon, une petite boule, je sais pas comment on appelle ça, une boule, je sais pas, et un petit tapis. Bon, avec des fourmis, je sais, mais voilà. Donc voilà. Après, on va passer à la chambre de Operetta et Claudena. Donc ici, il y a un truc à paillettes. Ici, il y a toutes les Don't So Dance. Ici, il y a Claudine Coffin Bean, donc voilà. Ici, il y a Laguna Blue, il y a Operetta. Bon, normalement, elle n'est pas toujours là. Son orli est marron, la guitare d'Operetta. Ici, il y a les chaussures de Claudina, l'animal de compagnie d'Operetta, les lunettes de Deuce Dance, et je sais plus trop quoi. Voilà. Donc après, on va passer à ça, ici. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Donc ici, il y a un banc avec un truc Monster High derrière. Donc ici, il y a un meuble pour tenir la télé. Ici, il y a le truc pour écouter la télé, le canapé, une petite table avec plein de DVD. Et là-bas, il y a un livre. Ici, c'est la chambre des Ghoul Rule. J'allais dire Ghoul Alive. Ghoul Rule. Donc, voilà. Donc il y a la photo de Claudine Ghoul Alive, la photo de Dracula Ghoul Alive, les deux sacs Ghoul Rule. Alors les deux masques Ghoul Rule. Voilà. Et là il y a le cercueil à bonbons de Claudina. Et là il y a une petite statue qui me fait vachement penser à Halloween que j'ai mis dans son sac et je trouve ça assez marrant. Voilà, puisqu'en fait son squelette il est à la cafette. Alors là on voit Claudine Ghoul Rule et là Dracula Ghoul Rule, mais en fait qui s'est enlevé malheureusement. Voilà. Leur lit de plusieurs couleurs que je trouve que c'est assez flashy, que ça va bien en fait mon thème Halloween. Donc voilà. Après là on arrive dans la chambre des Pompamons. Vous avez vu c'est tout rikiki leur chambre, mais voilà. Donc là on voit Goulia Pompamons, Cléo Pompamons et là Dracula Pompamons. Alors leur lit en fait avant c'était une table. Et j'ai mis le même tissu que ça et ça fait un lit. Et ici il a toutes leurs affaires Pompom Monstre. Attendez, je vais vous montrer. Deux minutes. Voilà. Toutes leurs affaires Pompom Monstre. Là, etc. Et là il y a le bandage de Cléo Pompom Monstre. Cléo fait, si vous préférez. Bon, j'arrive pas à fermer dans deux minutes encore. Je suis vraiment désolée de vous faire patienter, mais voilà, c'est pas facile en fait. Et en plus, tout à l'heure, je vais devoir ranger la chambre de Claudine Basique. Hein. Bref, donc ici, la chambre des Métissants. Donc, ici, il y a toutes leurs clés, il y a tous les sacs, il y a trois invitations et une lettre de Claude. De Claude. Ici, il y a trois photos Métissants, sauf qu'elle est salandée.
une télé que j'ai mis ici, je l'ai accroché en fait ici, c'est simple, hein, ça s'enlève, ça se retire, voilà. Donc l'ordi c'est Lulu Castagnette, le drap. Alors ici il y a un coussin comme ça, il y a un coussin comme ça, et l'autre côté il y a pareil que le même, il y a le même coussin comme ça, mais derrière franquet, et un ordinateur portable. Voilà. Donc ici on passe côté un peu, on va dire un peu le bordel. Donc ici il y a un calendrier 2013. Hein. Ici il y a le truc pour brancher dans la chambre de Dracula. Ici il y a des chaises. C'est plutôt des pots. Ici donc en fait c'est plein d'objets que j'ai mis ici, que j'ai un peu la flemme à ranger. En fait c'est... Voilà, c'est vraiment le bazar. Il y a de la poussière, il y a... Voilà. Donc c'est un peu le bordel. Ici il y a un micro. Ici il y a toutes les tenues avec plein de sacs et voilà. Donc avec en fait le truc c'est la tête de Frankenstein. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué mais... Voilà. Après ici on va passer à la chambre de Dracula, Dracula et Draculami. Donc il y a le lit, il y a la photo de Dracula pyjama party, un petit la petite boîte de cercueil, la brosse de Dracula basiquin, la boîte à mouchoirs avec la photo de Dracula basiquin, une photo de Dracula basiquin, le fond de boîte de Dracula basiquin, voilà. Là il y a marqué Dracula avec le logo. Ici il y a l'auréole ou tout ce que vous voulez de Dracula basiquin, compte Fabulous, que je change souvent de place hein, parce que je ne mets pas toujours ici. Le porte-clé avec une photo de Dracula basiquin. Un petit fauteuil D. Alors en fait ici c'est un dessin en fait je dis d'amitié de Dracula et Claudia, qui sont meilleures amies, je dis. L'auréole ou tout ce que vous voulez de Dracula basique 2. Une machine à bonbons, je trouve que ça fait assez Dracula, donc il faut juste tourner la manivelle et il y a des chewing-gum qui tombent. Et ça, ça roule. Voilà. Et là, c'est une lampe. Attendez, je vous l'allume. Juste pour vous montrer comment ça fait. Donc ça fait ça, mais c'est plus beau dans le noir. Donc voilà, je vais enlever, parce que sinon ça va se refaire tomber. Donc voilà, donc ici, il y a le drap et le coussin avec la table et la télé et le rideau. À part, il y a une chaîne. Voilà une chaîne qui traîne. Alors ici là-dedans il y a des bijoux, le journal intime de Dracula Basic 2, même si c'est pas le vrai, je veux dire que c'est pas une bague en diamant rose, sa tasse et une théière, du maquillage, la bague que j'ai eu avec le lit et des lunettes, plein de sacs, un truc qui s'illumine, voilà. Et un appareil photo mais que j'ai mal fait. Donc voilà. Regardez. Ah. Voilà. Donc après on va passer à la chambre de Francky. Donc son lit ne tient pas très bien. Donc voilà, il est comme ça. Alors ici il y a un tapis, comme ça. Il y a un crâne de squelette, j'ai une tête de squelette toujours. Alors ici il y a une petite armoire avec une machine à coudre, son journal intime avec son cahier et avec un stylo plutôt, et une agrafeuse en gomme. Ici en fait c'est un papier cadeau, dedans il y a une bille transparente et je dis que c'est la boule de cristal magique de Francky. Ici il y a un armoire avec son sac, une ceinture, un collier et une broche, je sais pas trop quoi. Alors ici il y a un parfum, une crème et un rouge à lèvres. Ici normalement il y a le miroir mais j'ai mis une photo de Francky. Ici une photo de Francky basique 2. En fait ici c'est une tasse mais en fait j'utilise en fait ma Francky, elle s'assoit dessus, elle se retourne et en fait elle est assise, elle se maquille. Voilà. Ici il y a la brosse argentée de Francky basique 1 et la brosse que j'ai eu avec lui. Un sac bleu. Un porte-clé, le même porte-clé, what's it, son sac, un coussin, un nounours argenté. Alors ici, il y a la paire de boucles d'oreilles de Francky Basiquin, la machine à coudre, un ciseau et un espèce de truc d'essence. Je sais pas trop quoi. Donc voilà, avec une télé bien sûr. Voilà. Après, on va passer à la salle de Bella et Edouard. C'est pas vraiment une chambre. Donc ici, on a une photo de Edouard, une photo de Bella, un truc Twilight transparent et un autre truc Twilight transparent. Ici, on voit Edouard en transparent, je veux dire le nom. Un petit diamant qui me fait trop penser à Twilight.
Réfléchissez. Voilà. Leur fond de boîte, je veux dire, là c'est le fond de boîte de Edouard, là le fond de boîte de Bella. Voilà. Et là le certificat de ma Bella. Et celui-là d'Edouard, il est encadré. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment une chambre, c'est une salle pour eux parce que voilà. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, bah, je joue avec ces deux poupées, avec mes Monster High bien sûr. Je fais comme si elles faisaient partie du lycée. Alors ici, on arrive dans la chambre de Spectra et Abby. Donc Abby, on va commencer par Abby. Alors ici, il y a plein d'autocollants, de photos d'animaux, d'animaux polaires. Son lit est gris avec une couverture violet, un diamant et trois coussins. Donc trois petits coussins et un gros coussin. Un ours polaire en statue, en jouet et un petit pingouin. Un tapis que j'ai fait moi-même, un diamant, des boucles d'oreilles blanches qui ne vont pas à Abby, mais je trouve que ça fait assez Abby. Et un petit cadre, voilà. Et donc là, il y a le lit de Shiver avec Shiver dessus, qui est en haut. Alors ici, c'est le côté de Spectra. Donc Spectra, son lit, il est violet, avec un coussin, une tête de mort avec deux roses, une rose bleue, on va dire, et rouge. Son sac, une barrette, un coussin, un livre, un carnet, ses lunettes, un sac, le sac de son fashion pack, et son animal de compagnie. Et là, on voit Spectra avec son fashion pack. Voilà. Alors ici, c'est la chambre de Thoralée. Donc avec... en fait, c'est le bordel, en fait. Parce qu'en fait, j'y vais jamais. En fait, c'est trop haut pour moi, en fait. Encore, ça va. Cette chambre, ça va. Donc, alors, ici, tout le lit est orange. Il y a un coussin blanc. Le sac de Thoralée. Une statue chat qui s'est enlevée. Un miroir. Voilà, chat. Le sac de Thoralée, son fashion pack, un drap Winx, c'est une lunette en 3D, un sac rouge, mais je dis que c'est le lit de l'animal de compagnie de Thoralée, un dessin Thoralée qui est vraiment très moche, Thoralée avec des petits dessins, Mélodie avec des petits dessins, Fursuan avec des petits dessins, un sac, un livre, un truc de perles rouges, et une petite boule, et un coussin, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, donc les ghouls, on se revoit pour la partie 2. Donc la partie 2, je vous promets que je ferai présentation de ça, de ça, de ça et de ça. Et après, ça sera fini. La chambre de ma Philippe, donc je sais pas encore si je vais la voir, mais ma mère va demander aujourd'hui. Donc la chambre de ma Philippe, attendez, ça. En fait, elle fait partie de Monster High, mais voilà. Je vais pas vous la présenter parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait la vidéo et donc ça sert un peu à rien que je vous présente. Donc voilà. Donc à la prochaine pour une vidéo pour vous présenter la maison Monster High partie 2. Bye bye les ghouls, ciao ciao.